Okay, so now you wanna make love to me. Girl, if you don't get the fuck from me, I know you thought we had something special, but you don't mean nothing to me. Girl, I'm sorry, you not the one for me. Bonjour à tous, c'est Azox, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo setup, vous l'attendiez depuis très longtemps, beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Alors j'attendais 2018 pour la faire, donc on est actuellement en 2018, c'est plutôt cool, j'espère que l'année commence bien pour vous. J'espère que tout se passe bien, en tout cas moi pour moi ça se passe nickel, j'espère que ça va durer. Comme vous avez pu voir, j'avais fait une vidéo à 23h30, donc elle est sortie à 23h30 le jour de l'an. J'espère que vous l'avez aimé. J'ai eu beaucoup de retours sur cette vidéo concernant Euro Truck Simulator 2, Garry's Mod, tout plein de jeux comme ça. Ça va suivre, il y aura du American Truck, il y aura sûrement du GTA 5 RP sur des serveurs. Donc, il y aura tout plein de trucs comme ça que je vous réserve. J'espère que vous aimerez. Je continuerai la série sur Need for Speed, vu que j'ai une nouvelle qualité grâce à une nouvelle machine, une grosse machine que j'ai eue à Noël. Je vais vous laisser découvrir ça dans la vidéo. Toutes les explications, tout sera dans la description et en audio sur la vidéo. A tout de suite. Donc on se retrouve maintenant avec mon premier écran, donc l'écran principal Asus. Donc c'est le VG245H, donc c'est qu'un écran gaming. Comme vous pouvez le voir à l'instant, il y a les petites images pour les touches d'arrière, une petite molette qui se trouve à l'arrière. Donc c'est un beau écran en 1ms. Maintenant le second écran, le IAMA, le G-Master GE 2488HS. En 1ms, processeur AMD, donc c'est vraiment un très bon écran, un peu de couleur jaunâtre, mais c'est pas grave. Là on se retrouve avec la webcam, je sais plus laquelle, en 720p. Là le clavier Roka Talk ou Talk, je sais pas comment il se dit. La souris cône pure, c'est ça, la souris cône pure. Le casque, donc c'est un casque Rig 500, c'est un casque Rig 500. Donc là le support, enfin un bras support micro. Donc mon micro c'est un Bird HEM1, donc vous avez déjà pu le voir dans la dernière vidéo setup et dans la vidéo bonne année avec Euro Truck Simulator 2 en facecam. Donc c'est un très très bon micro pour son prix. Il est, on va dire, au niveau du Blue Yeti, qui est un très vieux micro mais qui est toujours d'actualité. Actuellement vous voyez le G920 qui est un très très bon volant que j'ai maintenant depuis un an. Trois pédales, boîte de vitesse en H qui est ajoutée après. Donc là on retourne niveau son. Là ce sont deux enceintes créatives de chez Ikora. C'est une très très bonne qualité. Maintenant le PC Asus Gamer qui est un PC très très performant, de nombreux ventilateurs à l'intérieur. Il possède une carte graphique GTX Nvidia 1060 3 Go, ça suffit largement pour les jeux que je vais faire tourner sur ce PC. Il a un Core i7 7700, 8 Go de RAM, c'est un très très bon PC. Une chaise Arc Aka Racing, ou je sais pas comment. Donc franchement c'est un siège qui est super confortable. Deux poignées sur les deux accoudoirs sur les côtés qui sont super pratiques pour poser les bras.
logique. Pour tenir le volant sans tendre les bras ou se faire mal au bras, donc ça peut être c'est vachement cool. Ça se dit, deux petits turbos miniatures plutôt stylés. Donc voilà, les petites canettes Monster Energy, ça fait plutôt cool, une petite collection, donc il y en a pas mal que j'ai pas forcément. La manette Xbox 360 de la n'importe quoi de la Xbox One du pack Halo 5, très belle console. Et là, le support téléphone, dont je ne me souviens plus de la marque, donc c'est un TNB, donc le support rajouté après, ainsi que le pied. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce setup vous aura plu, en tout cas moi il me plaît, c'est le plus important. Beaucoup de matos, je n'ai pas fait le calcul du prix, donc j'ai vachement de quoi m'amuser, de quoi faire les montages. Je m'excuse pour l'attente des vidéos, ça fait, je mets un peu de temps pour les faire. Là pour l'instant, je vais bien reprendre, toujours le mercredi et le samedi. La fibre est actuellement en train d'être installée chez moi, donc chez SFR. J'espère que ça va bien marcher. Donc là, mes vidéos normalement seront en 1080p, pas en 60fps. Que de toute façon ce sera validé par YouTube, donc je vois pas intérêt. Des lives vont bientôt arriver sur ma chaîne, donc je ferai une petite vidéo pré-enregistrée que je mettrai à chaque fois pour vous prévenir. Donc je verrai si je fais des lives sur YouTube ou sur Twitch. Donc bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi j'ai aimé faire cette petite vidéo setup, elle est vraiment pas très très long, mais bon, c'est pour un setup c'est largement assez. Bah voilà, bah moi je vais vous laisser là et puis bonne année, bonne santé à toutes les personnes qui n'ont pas vu ma précédente vidéo. Donc voilà, bah je vais vous laisser et puis bah je vous dis bon game et ciao tout le monde.